Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous tous très très bien. Épisode numéro 12 de notre let's play sur notre aventure. Ouais, de notre let's play sur notre aventure de Pokémon Voltoweight de Redux. La dernière fois, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait combattu l'arène et après, on s'était rendu compte qu'on pouvait pas réaffronter Voltaire, ce qui était quand même bien dommage. Et Nikolai, un scientifique, du coup, nous avait. Provoqué en duel au début de la route 4, ce qui fait que bah c'est maintenant quoi, c'est tout de suite. Et ce que je vous propose c'est qu'on y aille illico presto. Alors peut-être que c'est dresseur, c'est un dresseur lui. Attends, mais ça a changé. Non? De moi, il combattait au tout début de la route. Lucas, du coup? Ça alors? Ça alors? Il a baissé mon attaque après, hein, donc ok la Storzy. Ah, je sais plus comment fonctionne cette route. Et on va mettre notre truc déjà, voilà. Y'a rien, ok. Ah oui d'accord, ok. Prime Scale, qu'est-ce que c'est? Prime Scale. Là, c'est Milotic, quoi. C'est pour avoir Milotic, ça. Je vois. Bon, ça va être un sweep avec Leap Tornado, hein, on l'a compris. XP donné est ridicule d'ailleurs. Ils sont que niveau 21, mais bah, attendez, mais. Ah oui, c'est ce que je pouvais y aller avant l'arène, c'est ça. C'est sûr. Hein. Ah, l'histoire de Voltaire, quand même, j'ai du mal à m'en remettre. Hein. Genre, j'aurais bien réussi à le battre quand même. Hein. C'est fou, hein. J'espère qu'il donnait rien d'intéressant, hein. Parce que l'autre il avait donné un 9 et Roxane elle avait donné quoi, je sais plus. C'est quand même très très con, hein, ce qui s'est passé. Mais bon. Autorier il va résister, j'étais con. Après il fait Bubble Beam, hein, il est pas très intelligent. Tentacool. Oui, quart de bord. Non, mais vraiment, c'est. aïe. Bon. Il n'y a pas une maison où faut aller là? Ah, ça a changé, mais attendez, mais ça c'était déjà dans le cas dans Voltaway 2, parce que de voir c'était pas comme ça, c'est trop temps. Ah non, si, c'était ça. Ok. My bad. Attendez, on va mettre. Garde War, parce qu'il y a un peu la traîne. VP, ok. Ravi qui va tenir hein, les attaques, c'est sûr.
Ah, j'en doutais. Il a tenu. Je pense qu'on peut le battre sans se soigner. C'est ambitieux, hein. Si ça se trouve, il va me découper, mais. Moi, je dis. Autant y aller, quoi. Attendez! Quel est le problème? Tu es intéressé par ce qu'il y a derrière moi? Ces Pokémon sont connus en tant que Crustle. Regarde. Avec cet appareil que j'ai créé pour énergiser les Pokémon. La Team Plasma a dit qu'elle voulait reconnaître le potentiel des Pokémon et libérer des humains. Je suis pas d'accord. Maintenant que j'y pense, je n'ai jamais demandé comment tu t'appelles. Kelek, je me souviendrai de ce nom. Très bien, je vais tester. Enfin, je vais te tester pour voir si tu es un dresseur qui peut libérer le potentiel caché des Pokémon. Oh, cette musique. Cette musique! Banger! 5 Pokémon. Hmm. Magnéti. Bien sûr, en fermeté. Yo 28. Hein. Tempête de ça, mais bon. On est tous de type acier. On comprend pas de rappel les dégâts. Et la fermeté, évidemment. La T-Wave qui part, c'est chiant. Donc je n'ai plus ma priorité. Ah d'accord. Et ses potions, lui. Évidemment, je réactive la fermeté. On a le temps de s'emmerder, hein, je vous le dis, moi. Et puis Volt Switch en plus. C'est pas grave, le Pokémon qui va venir, il va pas apprécier, à mon avis, se prendre le Force Palme. Ah, Cocu, il a un Pokémon de type Psy, il a Nietram, donc... Non, ok, c'est Tink, il va pas kiffer Tink. Hein. Ouais. Metang. Est-ce que Metang il prend cher sur Crunch du coup? J'ai besoin de savoir. Bon, puis le Punch à terre 0. C'est plus pratique. Ok, donc ils ont bien fixé le fait que le type acier ne soit plus neutre au type ténèbres. Ah si. Avant ils résistaient, maintenant ils sont neutres. Motisma Hélice. Donc il est électrique vol. On va switcher avec Gardevoir. Ok, le tonnerre qui va faire mal. Oh, la paralysie par contre, ça c'est... On était pas obligé quoi. En vrai, si j'attaque avant, le Draining Keys va carry. Ok, nice. Il fait mal, hein, mais après, en même temps, c'est Rotom, il a des bonnes stats, hein, en attaque SP. Ok, c'est bon, c'est géré. ...32 pour, Cario. Zenedbutt. Il me permettrait de passer quoi, Zenedbutt? Petit combat. Poison, et bon, petit poison bof. Le combat, ça me permettrait de les passer, ouais. Metal Claw, c'est un peu faible, hein, maintenant. C'est stabé, certes, mais c'est faible. Hein. Donc, je pense que je vais apprendre Zenbet à la place de Metal Claw. Je pense qu'il apprendra mieux plus tard, hein, c'est même sûr. Et Magnéti.
On va switcher, on va envoyer. Et c'est le flash cannon qui aurait sûrement tué le flash cannon. Hein, je pense que ça aurait tué. Désolé, je tousse un peu, c'est parce que j'ai des allergies en ce moment. Et encore, ça va mieux que ces derniers temps, croyez-moi. Porygon 2. Lucario le gère, mais ouais. Je pense que j'ai envoyé Servine. Il a fait très attaque. Aïe. Jubilicide en vrai. On Servine et KO. Est-ce que Lucario est en mesure de gérer ce Porygon 2 là? Ça y choc. Ça devrait aller. No critique, merci. Merci, merci. Hein. Je sais qu'il a Psy Shock, mais j'ai les gulites. Il fait recover, d'accord. Vas-y, fais recover si tu veux. Hein. Mais toi, t'es clairement voulu rock, toi. Hein. Ça ne fait aucun doute. Vous pouvez voir les dégâts qu'il va se prendre avec Vino Shock, vu qu'il est empoisonné, ça risque de faire mal. Hein. Parce que j'appellerais faire mal malheureusement. Il fait mal hein, mine de rien avec son. Avec son niveau. Malgré le rock j'ai mal hein. Ok parfait, normalement je le tue là. Il a pas fait soin. De toute façon le poison l'aurait tué à force parce que c'est un poison de toxique hein. C'est pas un poison. C'est un poison bourre. Hein. Adly poisoné quoi. Le 32 Pokéball qui va voler en ostent enfer bien sûr. Pas du tout, hein, c'est faux. Il a pris une attaque extraordinaire, Victini, regarde bien. Oh, c'est une attaque. C'est une attaque très très bonne. Hein. Pas de clôture dessus. J'ai envie de confusion, je pense. Ok, headbutt ne me sert à rien. Non, je veux juste enlever headbutt en fait. Très bien. Je vois. Juste comme les champions d'arène dans chaque arène, où le conseil des 4 est le champion de la Pokémon League, tu libères le pouvoir des Pokémon. Ok. Le genre de personne que tu es. Je suis extrêmement reconnaissant pour ton aide. Ma façon de te remercier. Merci. Merci, merci. Si seulement je pouvais. Si seulement nous pouvions ordonner aux Pokémon de libérer leur pouvoir. Mais il n'y a pas de façon pour une personne comme. Il n'y a pas de personne comme ça qui puisse exister. J'espère te revoir. Te revoir encore de temps en temps. Allez, casse-toi. T'as mis la Life Orb. Eh hey. Alligator là hein. Vous le savez ça. Par contre il me semble que. Est-ce que Aquatail dépend de la. Bah non. Ça non plus d'ailleurs. Ça non plus. En fait il n'y a que Ice Fang qui en profite. Pour l'instant. Pour l'instant. Eh bien, je suis ma team du coup et on se retrouve là. Et voilà. Donc là, il y a un combat duo, c'est chiant. Gardevoir est vraiment à la bourre. Hein. Après, Gardevoir, comme je vous ai expliqué plusieurs fois, je suis pas sûr de le garder. Mais bon. On est là quoi. Et bon, ça c'est plutôt pour perdre. Des Pokémon très forts. Ah, ils en ont plus passé.
superbe. J'espère qu'il y a une maison pour nous... Non, on va pas en poser le mangriffe. Ah oui, fais ça, hein. Amuse-toi bien. Ne moi, il y avait une maison pour se soigner, mais ça c'était avant ça. Elle y est plus, cette maison, elle n'existe plus quoi. Et que cette maison là, c'est. Vous comprenez, c'est que cette maison là, c'est de l'histoire ancienne quoi. Ah oui, ça, ok, tout le monde. Oui. Ouais, vas-y, fais ça. Bon. Mais une maison là. Regardez. La rue marron, j'ai déjà eu dans l'espèce d'avant. On va pas le reprendre du coup. Plus on a victime de toute façon. Donc bon. Hein? Quoi? C'est quoi ça? What? Oui. Attendez, elle m'offre un truc à jouer. Ok. C'était bien de la merde, hein. Attendez, mais c'est quoi ça, cet endroit-là? Ah, c'est juste pour avoir ça? On s'en fout, non? Enfin... Dig. Bah. C'est bon. Vas-y, on va tester notre alligator Life Orb, bien sûr. Le problème, c'est qu'il n'a aucune attaque qui profite de sans limite, à part Ice Fang, pour l'instant. Ce qui est quand même dommage, hein. C'est con. Il est bien d'accord qu'à côté, il ne profite pas d'Ice Fang, hein. De l'Orbe Vie. C'est bien le cas. Servine. Ah, par contre, Servine, là, mon coco. Ah ouais, non, mais il va devenir fort, hein. Je vous le jure, hein. Ouais, bon, tu nous emmerdes avec tes fake out de merde, là. Il s'appelle vite avec l'orbe vie, hein, quand même, de rien. Par contre, on va avoir cascade, hein, parce que je crois pas que liquidation existe, hein. À moins qu'il l'ait rajouté. Et quand on va avoir cascade, ça va pas être marrant pour. Ça va pas être marrant pour les adversaires, je le dis, moi. Faut pas soigner là, je. Bah, je veux pas contrarier la teuf, mais. Faut pas soigner, hein. Mmh. Okay. Attendez, mais du coup, j'ai oublié de faire ça. Oui. Eh oui. Ok, c'est bon, après, c'est pour ce genre de choses qui sert à rien. On passe quoi. Il y a peut-être une solution pour le type sol que je n'ai pas. Mais bon. En vrai, type ténèbres, ça pourrait être intéressant. Plus type sol, ça pourrait être intéressant aussi. Puis c'est un Pokémon de la 5G, que je n'ai pas eu dans Volt Await, et d'ailleurs. Non, je l'ai pas eu d'ailleurs, je l'avais pas pris. À un moment donné, après j'ai arrêté de l'entraîner, non, c'est pas ça. Je sais plus. Il me semble que je l'ai jamais eu au final même. Je ne sais plus. Ça va être un dresseur. Je n'aurais plus du tout cet endroit en vrai, c'est. Je vous jure, hein, j'ai tout oublié. J'ai vraiment tout zappé quoi. Pourquoi je fais crunch sur un vu l'habit? Ah oui, par contre. Cher. Hein. Ok, vas-y, on va tester Zenbutt en vrai. La one shot, regardez bien. Hein. Voilà. C'est pas serein du tout, mais celle-là, ça va vraiment one shot. Vas-y, Aura Sphere.
Sympa. Au moins j'aurais fait toutes mes attaques dans ce combat, c'était pour ça je pense que ça a pas tué. Où je puisse avoir le plaisir de faire toutes mes attaques. Mais c'est des dresseurs ça? Qu'est-ce que c'est conneries? Il y avait pas ça dans Voltoway 2 là. Pas de Voltoway 2 dans plan 2, il y avait pas ça. Un dresseur lui. Et on peut avoir Togepi ici. D'accord, ok, c'est vraiment juste pour... juste pour le plaisir d'être là, quoi. Je crois pas, hein. Et non. Calmez-vous, hein. Je n'ai pas de Pokémon 123, super 123 d'attaque. Non. Que ce soit dans les bas stats ou dans les stats tout court d'ailleurs, j'en ai pas. Très bien. Par contre lui, il me fait de l'œil, hein, croc horrible. Principe sol en plus. Hein. Mais il y a vraiment, c'est vraiment un chemin comme ça maintenant. Par contre, j'ai oublié de remettre ça. Je veux dire, il n'y a pas d'objet intéressant au final, il n'y a que des tessons. Ah. Bonjour. Il n'y a pas les mégas hein, d'ailleurs, donc. Red Shard, d'accord. Hyper potion, ah, ok. Je ne me rappelle que j'ai toujours pas acheté d'objets de soins. Mais je crois que le... Attendez, le désert des lassants, il est toujours praticable ou quoi? Mais oui, normalement oui, hein. Toujours praticable le désert des lassants, non? Quoique pas sûr, en fait. Ah, c'est pas sûr qu'il soit praticable encore le désert des lassants. On va mettre Servine. C'est pas sûr. En vrai, c'est pas sûr. Allez, crémeux, c'est chiant. Il est sûrement herbivore en plus, le con, là. Donc, ouais. Vas-y, on va avoir à se faire. Le seul problème de Miltank, c'est son type. Il aura un type fort défensivement, ce serait tellement un Pokémon beaucoup plus fort que ça. Chiant, non? J'imagine que Rasper ne va pas tuer. Oui, d'accord, oui, d'accord. Ah, t'as touché ton attaque et ta défense. Ah, bah d'accord, bah salut, hein. Oh, mon gars. Ça va marcher? Ça a pas du tout marché ton sens. Ça n'a pas du tout marché. Je veux pas être méchant, mais c'est un peu un flop ton attaque là. Attendez, on regarde sa ligne. Togetic quand même. Le problème c'est que Togetic je ne touche pas du tout. Dommage. On voit Dragon Kiss, hein. Pas forcément être paralysé, hein, pas du tout. Insane, on a pas été paralysé. C'est beau. Est-ce qu'on doit pas être paralysé deux fois? Oui, et bah donc. Quoi, hein. Les miracles sont permis. Ville plume, que je ne dépasse pas, hein, bien sûr. Du coup, je meurs. Oui. Et oui. On va tester Zenebut sur Victini, ça va être extraordinaire. En plus avec son talent là qui est Victory Star, je crois en anglais, c'est ça?
bah Zenibot ne peut pas miss, je crois. Ah mais du coup c'est vrai que aussi les ça touche aussi les alliés Victory Star, mais du coup Alligator a quand même miss Aqua Tail tout à l'heure. Hein. Et ça booste aussi la précision des alliés. Hein, ça c'est fort ça. C'est... Ah, on peut aller au désert des lassants, ok. On peut y aller. On peut y aller quand même, hein. Ok. C'est un dresseur, quoi ? Pourquoi ? Non, c'est pas un dresseur. C'est pas de dresseur, vous, hein. Non. Bon, je pense que les adolescents, on va le visiter la prochaine fois. Parce que là, on va rejoindre en ville, quoi. Et je crois qu'il a changé par rapport à avant, non ? C'est toujours la même chose. Quand je dis ça, j'en sais rien. Je disais qu'on allait la prochaine fois, mais... Cet objet me fait de l'œil. Pourquoi je fais ça alors que j'ai dit que je faisais ça la prochaine fois? Je sais pas. Attends, mais il me semble que le château enfoui n'est plus praticable, non ? Y'a pas un bail comme ça ? Faker, cool. Si, le désert de la sang est toujours praticable. Alors qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Ah bon. En vrai, ça m'étonne pas hein, qu'il soit là. On verra tout ça pour la prochaine fois quand même. Là je pense qu'on va juste rejoindre Méanville et arrêter nos conneries, quoi. Tout simplement. Alors, peut-être pas tout de suite. En vrai, lui, en vrai, il va falloir l'affronter, la Pyrrhic. Girafarig, quand même. Enfin, Girafarig. Pourquoi je dis Girafarig? Alors, j'ai toujours dit Girafarig. C'est la première fois de ma vie que je dis Girafarig. Faut se sans vidéo. Hein. C'est quand même une sacrée expérience que nous sommes en train de vivre. Hein. Putain, il a l'air vivant, le connard. Ok. Il est paralysé, non? Ok, parfait. Je savais pas qu'il avait herbivore, Girafarig. Est-ce qu'il a vraiment herbivore ou ils l'ont rajouté, je sais pas. On va s'en aller. Ok. On visitera plus en détail ça la prochaine fois, mais on a déjà vu un peu à quoi ça ressemblait, et puis on a vu qu'il y avait Pyrrhic, le champion de Sinnoh, surtout. J'espère que lui, on pourra l'affronter, hein. Putain. Ah oui, d'accord. Linéon. Aïe, aïe, attention, attention, hein, Linéon, c'est... attention, hein. Ok, il a pas fait connu bidon, vitesse extrême. Ça va. Luxio. Je le tue pas. Hein. Ah si.
GG. Soporifique. Karyu Crunch, j'imagine. Évidemment. Bad Dreams. Ah bah super, bah ils ont mis le talent de Darkrai et Soporifique. Très plaisant. Faudrait peut-être que je me réveille au prochain tour, je sais pas. Ok. Salut. Est-ce que je pourrais, s'il vous plaît, aller au centre Pokémon? Pas un dresseur, toi. Non. Jure, je me fais agresser, je pète un plomb. Ah mais si, c'est vrai, il y a ça, là, le... C'est pas ça, déjà. Pourquoi pas? Je sais que ça peut paraître soudain, mais vu que tu manages l'avenue avec moi, ouais. Pour moi plutôt. C'est quoi la... Ah, c'est welcome, moi je dis. Hein. Le pire, c'est que je sais même pas trop ce qu'il m'a demandé, mais on est là, quoi. Mais j'ai pas compris, putain. Ah, qu'est-ce que tu dis quand t'es impressionné? Superbe, hein. Bon, par contre, il nous emmerde, notre pote, là. Ça serait bien qu'il... D'accord, attends. Très bien. Bon, c'est chiant là, casse-toi par celui-ci, merci. Ravi de te rencontrer. Et ton titre. Ok, je vais appeler Elec. Mon petit surnom, quoi. Ok. Comment tu. Ça t'a cassé les couilles là? Bon, en vrai, cet endroit ça peut devenir quelque chose de cool, hein. Et j'avais fait quelque chose comme ça à un moment donné, hein. Des trucs comme ça, hein. Voilà. Bon, comptez quoi, vous? Ah, mais si je parle à tout le monde, ils vont rien me donner. Ils donnent rien, je pense. Ils disent la même chose. Hein. Bien, ouais. Au revoir. J'ai rien manqué, c'est bon. Il y a quoi ici? La méthode de notre maison. Est-ce qu'on peut moins se soigner? Absolument pas, c'est grave. Hein. Bon, PC, d'accord, mais pas soigner, quoi. C'est comme très grave. Hein. Ah! Oui, d'accord. Je pense qu'on va s'arrêter là, hein. Parce que, bon, ça commence à être un peu long sinon, hein. Je pense qu'on va s'arrêter là, hein. Ouais. On va l'utiliser en premier, mais je pense qu'on va s'arrêter là si ça commence à être un peu long.
De mémoire, c'est long. Enfin. En vrai, j'aurais bien le son de Pokémon quand même. Mais bon. Bon, allez, vas-y. Hein? Oh, qui peux-tu bien être? Peut-être un. Un challenger des arènes. Puis-je te parler pour un... Puis-je parler avec toi pour un moment? Oh, c'est vrai, je suis alloué. Je suis le directeur du musée de Malar et un champion d'arène. Et c'est mon mari, Eve. Enfin, je suis très... Enfin, c'est un plaisir de te rencontrer. En tant que mari d'Aloé, je suis l'assistant directeur du musée de Maillard. Nous sommes si occupés avec nos recherches, nous avons décidé de prendre des vacances de couple. Ici, ouais, un cas. Ok. Tu as trois badges. Tu dois avoir battu Arty. Et tu as donc eu le badge basique. C'était le badge que j'utilisais pour. Pas que j'utilisais en donnant. Ok, c'était le badge que j'utilisais. En tant que challenge. Enfin, pour mes challengers dans ma vieille arène, tu sais. Je suis pas soigné, je vais me faire laver le cul! Quoi? Ah ouais, d'accord, ok, d'accord. Super, le combo de mon cul, là. Niveau 33, bah, allez vous faire foutre. Hein. Pardon, excusez-moi, c'est l'émotion. Hein. Ah, mais je suis soigné. Ah, je suis soigné. Ah, je suis soigné, d'accord. Ah, ils m'ont soigné. Le jeu n'a pas été connard. Je suis heal, là. Vitini fera absolument rien à quiconque. C'est bien, attaque en premier. Hein. Ok, crunch, ça va faire très mal. Je pense que... Ah non, ça fait que ça. Ah d'accord. Non, vise pas Zenobot, s'il te plaît. J'ai eu peur, j'ai cru que ça allait miss. Je vous jure, j'ai eu peur. Bon, je meurs par contre là. Hein. Ah non. Pas tout à fait de sapsi, mais... Reste. Ok, go Alligator, et je pense qu'Alligator, il y a un monde où Alligator one-shot Gigalith. Non, Gigalith a le bon talent. Donc je pense qu'il y a un monde où Alligator one-shot Gigalith. Hein. Force, je meurs. Ouais. Il meurt. Ah ouais. Hein? Bah quoi, jette le gigalith et on va Horace faire le Stoutland. Ah oui, on l'a pas tué le gigalith, ça c'est quand même intéressant. Pourtant je suis orbe vie. Hein. White charge, ok, je pense que pour Alligator. Ah, il va mourir d'ailleurs. Okay. Alors c'était pas une bonne idée pour la durée de la vidéo hein, ce que j'ai fait, hein. J'en conviens, c'était pas une bonne idée pour la durée de la vidéo. Hein. Faisant. Et ma cogneur. Ma cogneur en vrai, c'est plutôt pas mal pour... Voilà, parce que j'ai ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Weakness Policy? Ah non, Bessitrus. Hyper Voice. Ça devrait aller, hein, les dégâts. Ouais, enfin, c'est quand même violent. Évidemment, grâce à la Bessitrus, il tient. Le Dynamic Punch qui va tuer. Ah, par contre, attendez, le déplaisant là, je suis pas sûr de le passer, moi. Ah oui! Ah, mais je le passe pas du tout en fait! Merci à tous.
Ah oui. Oui, oui. Tout à fait. Du coup, je perds, quoi. C'est ça que vous êtes en train de me dire, c'est ça que vous êtes en train de me dire, c'est que je suis en train de perdre, là. Donc je le paralyse, maintenant. Ah oui, il est coup critique, oui. Ok, c'est bon, c'est win. Pas de panique. À moins qu'il me fasse un rock set critique de l'infini, au d'islam. Bon. Bah, adieu, hein. Adieu. Bon, c'est win. Hein. Et puis, il n'y a plus de Pokémon, ils en avaient que 4. Aze, non. Eh oui. Il n'y a pas de dialogue, évidemment. Oh, tu es si fort, n'es-tu pas d'accord, ma chère? En effet, ton style de combat, ta manière de combat, t'es très enchanteresse, enfin, très enchanteur, enfin, c'est très enchanteur, quoi. Quel est ton nom? Ah, c'est vrai qu'on s'est combattu, on s'est même pas donné quand je l'appelais, hein. Lukelek, ouais, c'est ça, ouais. Arty m'a dit que qu'il a récemment combattu contre un merveilleux, enfin un dresseur amusant appelé Lukelek. Ah, c'est un plaisir de te rencontrer. Si tu vas dans l'arène, tu peux visiter le musée de Maillard. A plus, prends soin de toi. Ok. Donc on va pouvoir s'arrêter. Là, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu. Ainsi que le commentaire. Et on se retrouve du coup la prochaine fois où, eh bien, peut-être qu'il y aura des changements dans la team. Hein. Je sais pas si je vais prendre Maskaimon avec moi. Et peut-être que j'aurai XP tout le monde niveau 34 également. Je ne sais pas. Beaucoup de choses. Hein. Beaucoup de choses que je ne sais pas. Chose que je me demande. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que j'espère que vous serez au rendez-vous pour l'épisode numéro 13 de Volta White 2 Redux, les gens. Ciao, bye.